contre, ce qui, je pense, c'est que tu as fait un bâton pour un copain qui marche avec ses bâtons de merde. Ouais, il aime bien ses bâtons de ski. Non, c'est parce qu'il n'y a pas encore la dragonne, il a peur de tomber. Bon, voilà, reparti pour un bivouac avec l'équipe. Un deck ! Bientôt dans une semaine. Un deck dans une semaine. Alors là, franchement, le temps, on peut pas faire mieux. Là-bas, regarde, pareil, t'as des tiges de massette. Tu vois les trucs là ? Ouais. Bah, comme ils sont là, là, tu récupères pour le feu. Et la racine, tu peux la bouffer. On peut faire ça, t'as récupéré pour le feu. Tu peux ? Non ? Ouais, vas-y. Si t'as jamais testé. Mais le truc, c'est qu'il faut bien l'éclater. Parce que si tu le. Ici, il est trop dense, ça prendra pas. Ah ouais, quoi bouffer là. Là puis, tu vois, t'as des jeunes là. Là, tu peux essayer de prendre. On peut essayer d'enlever une tige. Je te montre la racine. Tu vois, ça sent un peu le concombre, le poireau. Si jeune, tu leur as payé une barbe à papa. J'avais faim. Gros. Après, c'est la pistache. Ah, c'est bon, hein. Bon, allez, maintenant, on va là-bas. Allez, à gauche. Tu veux traverser ? Ouais. T'aurais dû balancer ton bâton. Non, moi, je suis pour un atout de la sauvage d'une manière. Ouais. Je pensais pour Alex, je suis devenu végétarien. Depuis que j'ai vu, il m'a inspiré. Ouais. Ouais. C'était un grand homme cet Alex. C'était un petit homme, mais avec des grands cheveux. Les salauds. C'est quoi si tu vois cette vidéo, Alex? Oh merde. Mais alors, c'est. Une petite toux. Bon, allez, je pense qu'on va arriver pas loin du spot là. Il y a écarqué comme un baudet, mais Sébastien. Ouais. Voilà, arrivé au spot. On a sué, hein, on peut plus. Il pourrait, en tendance humide et tout, ça me. Ah, là, on va débarrasser le terrain, regrouper le bois. Il y a encore pas mal. La petite table qui est toujours là. Ah, c'est pas notre fabrication à nous ça, on l'avait trouvé. Ouais, on va s'en servir. Voilà. Ouais, ça va aller au c'était feu. le toucher de trop. Ça va aller au feu. Il a reçu les lui, avec sa sac. Bon, moi je dis pas parce que le mien, c'est vrai qu'il pèse un peu aussi. Réserve de bois, je débarrasse un peu le sol. Sébastien s'installe. Là-bas, ça discute le coup pour la tente. Le banc est terminé. Et Sébastien a testé son hamac. Vas-y, remets-toi dedans, voir. Ah, faut que tu. En fait, quand tu mets un hamac, regarde, reviens. En fait, il doit être droit. Il doit être droit, tu vois. Il doit être comme ça. Non, il faudrait que tu descendes, je pense. Bah, descendre ça, tes cordes à nœuds, plus les mettre ici. Et ensuite ça. Ah ouais, t'es à fond quasiment. Non. Parce qu'il faudrait qu'il soit vraiment droit de chez droit, tu vois. Puis là-bas, tu le remontes à fond. Il doit être tordu comme un string. T'as rien qui traîne. Bah, du coup, tu vas mettre ta tente alors. Ouais, quand même, ouais. Ah, ça y est, il a coupé ce bout de bois. Hein? Ah, mais ça fait deux fois qu'il s'est pris. Ah ouais, c'est une forêt de merde. Il voulait pas de toi. Ça y est, installé, gros. Ouais, je vais débarrasser un peu. Comme ça, si je reviens, je pourrais savoir où me mettre. Et toi, Pascal, les gars, ah, il va pas arriver à dormir là-dedans, je pense. Il est trop imposant pour ça. Non, toi. Aïe. Le sous-marin il craque. il ose même pas se mettre dedans. C'est normal que ça se détire. Tu vois.
Mais je sais pas, essaye de te mettre complètement dedans. T'es pas à l'aise là-dedans. Non, je suis pas. Ah non. Il est trop pisse, hein, Mac. C'est un simple. Ouais. Ouais, c'est pas à peine, toi, faut un. Comme le mien, avec une size. Faut un comme ça, toi. Ouais, va pas pouvoir se retourner maintenant. Bon, pour ta fille. Ouais. Ça passe. Un spécial gros bébé. Ouais, c'est ça. T'as vu, j'ai formé à couper du bois vert. On t'a cramé, bois vert, va. Bouh. Bouh. Va douce pas, ça. Bon, puis ensuite, je vais me faire le tour du feu avec des pierres. Puis au moins, tout ça, ça sera prêt. Sébastien qui teste un petit gadget pour allumer le feu. Ouais, il a mis une feuille séchée. Ça va pas leur prendre les masses. Hein. Mmh. Essaye que de la madouiller. Comment faire une vidéo? Là, c'est... Il y a beaucoup de pigeons ici. Hein. Pigeons aussi sont mal, gros. Aïe, ça brûle, aïe. Faut pas avoir la tremblote. Aïe. C'est là que je voulais faire un bivouac. Aïe, aïe mon gland, ça brûle. Ah, faut pas bouger. Moi, je voulais faire un bivouac. Et Wanyep. Au Vercors. Au Vercors, tu voulais pas y aller, toi? C'est où ça? Au Vercors. C'est trop beau, je suis allé deux fois. Non, bah, c'est du d'accord, je vais voir une photo. Bah alors, Seb. Tu verras la photo. Non, mais... ah, il a mis de la madouille, mais. J'ai pas réussi. Bizarre. Bon, moi, c'est un truc que j'ai pas acheté, comme ça. J'ai acheté au Fire Steel, mais. Regarde, là, ça va prendre direct. Boum, allez. Allez, voilà, il a trouvé le bon truc. T'es peut-être trop penché, toi. Ah, peut-être. Mais pourtant, j'étais. Ça, c'est le ravouli, ce gros. C'est un spear. Ah, c'est un spear. Ouais. On gagne. Ça, t'en as qu'un. T'en veux. Ah, je m'aime. Les pouces rouges. Ah, t'as fait. Bon, allez, je vais couper. Ouais, un bon rouge de la merde. Je vais appuyer sur le point rouge. Mettre la lumière pour le. Sauf que le flash arrive ici en dessous. Mmh, toi, là il est là pour l'instant, là il est là. Alors du coup bah, tu tournes un peu, voilà, regarde, tu vois, là il va prendre. Voilà. Mmh. Ah faut trouver, faut le concentrer le rayon. Le seul est mauvais et tout. Ah, Seb il va réessayer. Hein, nous préservons la nature. Voilà. Bien ouais. Tu réchauffes à Seb. Réchaud alcool. Je pense que tu pourrais le modifier en réchaud à bois. Ah, finalement, c'est, là-bas, c'est un réchaud à bois. C'est un réchaud à bois, d'accord. Ok. Coucou. 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 Il y avait un coucou dans le coin. Bon, après un petit apéro. On va aller se refaire un banc. Hein? On a envie d'un banc. Allez, camarade. Allez, Baco. Coupe le banc. Ça, c'est pour une pêche à Seb. Pourquoi tu c'est... me touches, toi? C'est pour se faire à Seb, comme ça. Ouais, ça l'y paie, hein. Ah, et comme dirait l'autre, on se prend de la vaseline. Et voilà, ça, c'est travail à Linda. A mis son rouleau de PQ ici, le problème c'est que lui s'est déroulé. PQ exprès. Il est content. Ah là, c'est quand j'ai été faire le singe l'autre fois ça, avec Romain, notre bivouac. Normalement là, attaché bah, là-bas. Ouais, ouais. Encore une belle longueur. Hein. On a 5 mètres. Si t'as dit que tu veux pas que tu une dent, tu ramènes là. Oh un bac, pas beau ça. Attention, à droite elle a poussé mon mec. Bah ici tu vois en fait il y avait une ancienne cabane d'un bah, je pense d'un gars comme nous quoi qui fait du bivouac. Parce qu'il y avait des écorces pas mal. Vous voyez il y avait une armature etc. quoi. Tu vois des cordes là. Bah, ça c'est de la fifière. Petite plante que tu trouves souvent en bord de ruisseau.
C'est vrai qu'il y avait des cordes. Ouais, c'est pas naturel le truc. Non, ça c'est pas de la corde naturelle, c'est ce que direct, tu trouves. Ouais, c'est parce qu'elles ont jauni avec le temps. Quoique, tu sais, moi je te demandais là où je me suis. Non, c'est en plastique, c'est des trucs en plastique que tu trouves. Des sangles. Tu vois quoi? Ouais, pour les emballages. Ouais. Mais il est passé un bon temps à mon avis, parce que là, la bouteille était pas là du coup. Bah, il y a une tasse là, une grande tasse. Ça peut, être, ça peut servir un petit récipient. Bon, il a pas fabriqué. Hein. Encore une conserve. Là-bas derrière, c'était son camp à mon avis. Là, quelqu'un a vécu ici. Et même là, il y avait une échelle, je me souviens, il pouvait monter dans l'arbre. Ici. T'imagines le mec, tu mets la vidéo sur YouTube. Le mec, il dit, eh, putain, les gars, c'était mon ancienne cabane. Ah, comme un IDEC là qu'on a retrouvé. Ah, ouais, comme un IDEC, ouais. Je veux quand vous faire un petit vidéo. On a retrouvé les gens. Ouais. Là. On aurait pu s'enfoncer là-bas aussi. Mais c'est un peu haut, c'est un peu haut. Ah, là-bas, ouais, il y a pas mal de végétation. Là, on aurait pu aller, vraiment. Ah, ouais, après, on peut aller faire un petit tour. Hein. Tu veux y aller? Tu veux aller voir Chmarabou? Ah, ouais, voir Chmarabou, comment ça. Regarde. Il y a un signe de lui. Ah, c'est un alcoolique en plus. Non, il boit son petit verre. Donc voilà, on a enfin pris le chemin pour arriver au marabout. Là. Marabout d'un jet. C'est Schmout qui m'a raconté ça. Du coup, on commence à prendre les chemins où. Ah, il se cache, hein. Faut vraiment avoir du courage pour se cacher. Il se cache, hein. Il se cache, c'est pas pour toi. Ouais, putain, tu vois, il se met dans les ronces et tout. Là. C'est peut-être l'eau après. Oh putain. On a chemin, hein, je pense, hein. Tu crois? Bon, alors, c'est une épreuve, tu vois. C'est savoir si on est motivé comme garçon pour voir ce marabout. Oh putain. Aïe, aïe, ça pique. Bon, marabout, on arrive. Est-ce que ça passe? Bah ouais que ça passe. Il y a de l'eau mais bon. Oh, je m'enfonce un peu. Parcours du combattant aussi. Bah franchement ici gros tu viens faire un petit camp fixe à personne qui te trouve. Déjà, il y en a qui viennent ici. Il est sympa ce petit endroit là. On découvre un peu le bois. Ouais, franchement, voilà. C'est pas facile d'accès donc tu serais bien ici. Première épreuve. C'est pas fini. Alors, le guide du bois Nagette, le guide Nagette. C'est une belle forêt en même temps, on découvre le coin. C'est une belle petite promenade. C'est bien, tu fais les commentaires à ma place, c'est cool. Des futurs spots positifs peut-être. Hein. Bah oui. Il fait beau, on profite. Ah, t'as de l'eau là, normalement t'as de l'eau là-bas aussi, mais bon. Toi elle est stagnante. Là t'as pas, tu pourras tester ta page. Là ouais, tu pourras la tester. On va pas chercher. Regarde un triton ou une salamandre. Je vois la surface. Ah ouais. Mais c'est plus une salamandre ça. Triton souvent ils ont une crête. Déjà s'il y a des salamandres. L'eau elle doit pas être très dégueulasse je pense. Bon allez, on continue là-bas. Bon on a trouvé le marabout, enfin Romain a trouvé son marabout. Ouais bah ouais bah. On est content. C'était un. Ah, vous verrez ça sur le film. Un gros moment historique. À Bushcraft 3RT. J'ai appris beaucoup de choses avec ce marabout ouais. Et il va pleuvoir. Ouais. C'est ce que j'ai retenu. Putain il va pleuvoir ce soir. Ah ouais. Ah, c'est ce qu'il m'a dit. C'était quoi la technique? Ah fallait prendre des petites tiges, des ouais. Gratterons, galiers gratterons, ouais. Galiers gratterons, voilà. Se les coller là. Mmh. Ça c'était pour un effet plus long, tu vois. Ouais. Un quart d'heure.
Après, ils m'ont montré qu'il faut être un homme, il faut les mettre sous les couilles. Il a gratté, il a mis sous les couilles. Et là, il est parti, d'un coup, il va plus voir si t'es fait imiter. Elle est partie se réfugier, quoi. Après, okay. J'ai pas vu, hein. J'essaie de le suivre. Et tu seras comme ça. C'est un bon marabout. Ouais. Franchement. Ah, il n'a pas hésité une seule seconde. Bon, par contre, le con, il est parti sur son argent. Oh putain. Oh, c'est pas grave, tu me l'as donné. Je vais pas retrouver sur bivouac. Ça, terrible. Bon, en tout cas, ici, joli petit endroit. Ouais, enfin, tu peux. Ah, des liens dégagés. Pas mal de spots, hein, on a... Ouais. Encore là, on suit le sentier, mais. Franchement. Là, en fait, on va rattraper l'entrée. Par là. Normalement, il y a encore un point d'eau. Oh, ouais, si, je connais, t'inquiète. Bon, allez. Ici, normalement, t'as encore un point d'eau là à droite. Ah voilà, j'ai trouvé mon futur Cusco qui se prendra comme ceci. Voilà, gros godet. Hein ah, ça c'est pour avoir, c'est pour les longs week-ends. Comme un idec. Sur un voiture. On va essayer le hamac grillé. Ouais, ouais, enfumé. Voilà, revenu de la petite promenade avec Romain. On finit un peu le camp. Ah, on attend, installe son hamac. Ah ouais, bah. Au moins, on n'aura pas besoin de courir. Ça. Tout sera bon. Tout sera frais. Poisson, toi ? Non, pas de poisson. Pas avec la chaleur là, t'es fou. Déjà, la fois passée, j'ai fait un peu le fou de prendre ça. J'en vais chaud. Le retour. En fait, c'est le même principe qu'à l'archer, tu vois. Au début, je vais faire ça. Je vais faire ça jusqu'en bas tout doucement. À force de frotter, ça va créer une fine poudre de bois qui va tomber dans l'encoche. Et une fois que l'encoche sera assez remplie, ça va commencer à fumer. Une fois que ça commence à fumer, bah, il faut accélérer ta température. Déjà, là, on va faire un peu de copeaux. Sors le briquet, putain, sors le briquet. Moi, chez toi, je m'assirais carrément le cul à terre. Comme j'étais. Rare, c'est mieux. Moi, tu peux pencher ton corps dessus. Ça va bien. À l'ancienne. Ah, c'est tout à l'heure, ouais, je me suis fait piquer par les orties, ouais. Parce qu'on a été se promener. On appuie, il descend bien jusqu'en bas, en appuyant légèrement, tu vois. Et ouais, avec ton pied gauche, ouais, bien serré la planchette. Je sais pas que c'est un petit chouïa, quand même. Tu vas voir, c'est une poudre qui va se faire. Là, je suis dégoûté, j'étais à deux doigts de. Mais la gale, elle a pété. Tu veux comment on va reçu pour une branche de verre. Ouais, je suis en train, non. Ah merde, c'est quand. Voilà. Romain avec son éponge naturelle. C'est quoi du Alex Vagabond avec cette éponge en métal là. Ouais, lui. Métal. Ouais, il est pris. Petit torturé. T'as les trois savons, mais lui avait pris les trois éponges. Voilà, on est posé. Le soleil est là avec les gadgets. Non, c'est une petite dédicace à un pote. Là, les coudes bien appuyés là, tes pieds pareil, tu resserres le tout, tu tournes un coup, et voilà, t'es bien. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Essaye Seb. Tu as tes coudes, une fois que t'es bien, tu tournes un coup, c'est bon.
Ouais, c'est le tombé que j'ai peur. Ah, tu peux pas tomber. Tu mets une bonne pression dans tes bras et tes jambes, tu peux pas tomber. Comme ça. Ouais, les jambes pareil. Tu resserres le tout et un coup sec, tu tournes. Vas-y, toi, mais bascule un coup sec. Attends. Hein. Voilà, tu peux pas tomber, c'est ça. Ah, bah ouais. Tu peux pas. Eh, t'auras pas sur la vidéo. Et maintenant, on sort pareil. Ah, par contre, pour sortir, ouais. C'est... Pour sortir, je pense que tu peux refaire la même chose. Hein. Y'a moyen. Alors là, je le ferai pas parce qu'on est bas. Mais. Attends, si, moyen. Si t'es comme ça. La chute sur ma haute. Faut que tu te remettes dans la même chose quand t'arrives en fait. Ouais, c'est dans le genre, ouais. Par contre. Ouais, essaye de tourner maintenant. Ah, y'a moyen, ici c'est ça, c'est bien parti. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, voilà. Mais je pense que plus haut tu serais plus à l'aise à faire. Là, t'as peur de ah, ouais, là t'as peur de taper le sol. Alors, Romain va nous faire une petite cuillère. On va essayer de faire une cuillère. On va essayer de faire une cuillère, ce sera une première pour lui. On va couper là. Hein. Alors, ouais. Bonne distance, toi. Une belle petite longueur, ouais. Voilà. Et Seb, lui, il voulait un anti-moustique. Alors, comme ici nous avons un petit chêne. On va récupérer les jeunes branches, on va récupérer l'écorce qu'il y a dessus, on va faire infuser tout ça, et ensuite le jus, on se le mettra sur les bras, sur la nuque, sur le crâne pour l'ami qui est là-bas. Un peu sur la bite. Sur oui, tu peux aussi sur le sexe, c'est pas un souci. Voilà, allez, on vous reprend après. Tous partis pour un petit atelier cuillère. Arc plastique. Petit corps d'arc plastique, ouais. Ça creuse, ça creuse. 5000 pour Ikea. Je t'en piquer une, garçon, si ça te dérange pas. Alors ici, Romain nous a fait des petites tablettes ce soir, tranquille. Voilà, pour couper le saucisson, poser le pâté. J'ai recommencé une petite cuillère dans l'élan pour tester ces nouveaux outils Mister Seb. Et franchement, oula, putain de sa mère. Voilà, Romain, première cuillère, KO. Bon, les outils à Seb coupent plutôt bien. Il en a fait les frais. Bon, là on voit pas trop bien, mais c'est bien tranché, ça pissait bien quand même. Mais un bout de bois vert qui est devenu rouge. Tout ça avec une gouge. Alors ici, nous avons le médecin Sébastien. Il nous a sorti les gants et tout. Attention, il va te faire un toucher rectum. Chez rectal, je sais pas quoi, t'es dans la merde. Ouh, t'as risqué de piller. Viens, la fenêtre, elle est pleine de microbes. Voilà. J'ai entendu une de ces boules là. Là, j'ai vu que mon pouce, ça saigne. Hein. C'est grave, docteur. Hein? Non, ça va. Allez, c'est superficiel. Faut que je m'attende à rien, on m'a dit combien de temps. Putain, ouais. T'as du rouge, mon ami ? Du rouge, ouais, tout est dans la boîte, là. Pim-pom-pim-pom. Bon, le marabout, il est où, là ? Oh là là. On va demander une plante guérisseuse. Oh, du sang. Tu fais le buzz, mon gars, avec ta vidéo. Je le fais bien. Pourquoi m'enlever du rouge pour mettre du rouge? On va le désigner comme infirmier, lui. Hein, l'infirmier de l'équipe. Voilà. Avec sa grosse trousse de survie. Là. Et on serre le tout comme un saucisson. D'ici, sur trop fort. Ah, voilà, tu peux aller. Pour prendre dans ma main. Ah ouais, c'est tout. Passe peut-être ici, non? Ouais. Ouais. Je te laisse faire, je te laisse faire. C'est le médecin. Putain, mon pouce a gonflé. C'est la croix rouge. Mon pouce a gonflé. Putain, ouais. Il me dit c'est trop serré, sinon de ça. Non, c'est bon. T'inquiète. Voilà. Petite séquence infirmerie. Petit brancard pour évacuer l'ami. Bon, non,
On simule, hein, bien sûr. Petit brancard fait avec une veste. Il suffit de retourner les manches dans la veste et d'en mettre deux. Vous avez un brancard de fortune. Voilà, il faut la refermer celle-ci. Okay, tu passes les manches à l'intérieur. Ok, chef. Moi, c'est pas chef, c'est patron. On patron. Dit oui, patron. Patron. Dépêche-toi parce qu'il est en train de souffrir, lui, là-bas. Il y a un pouce rouge, là. Il y a un pouce rouge. Ah, tu passes les manches, comme ça. Les manches, tu viens les prendre, comme ça. Tu viens les tirer. Comme ça, l'autre, pareil. Ouais, mais je valide. Tiens, Seb. Je valide. Tu valides. Ah, ça filme. Hein. Ouais, ouais. Voilà. C'est pas le choix de valider, hein. Valide, si, on va passer. Comme ça. Pêche-toi, ton homme, il est en train de claquer, là. Ouais, c'est pour les petits bras, hein. Un peu serré, cette veste, hein, mais ça va voir. C'est l'autre. Peut-être pas du ça qui suffit pas. Bon, soit ça marche, ou soit je finis avec deux vestes craquées, tu vois. Ah, parce que normalement tu fais ça avec des vestes de l'armée, mais elles sont beaucoup plus résistantes. Mais bon, t'as pas de raison. Hein. Une veste, hein. Voilà. À tester tout ça. Alors le truc, c'est que tu vas venir comme ça. Là-dessus, tu vas venir mettre ton cul ici au milieu. Et mon dos, mes pieds sont posés là. Et ton dos, il va venir comme ça là-dessus. C'est un brancard de fortune, tu vas pas être non plus comme à l'hôtel. Allez, vas-y. Prends ma poule. Seb, tiens, tu peux prendre ça. C'est ce qu'il faut, on commence depuis le début. Tu te mets devant, Seb, ou ouais, derrière, mon chou. Tu te mets derrière. Bon, tu vois quoi? Et le but, c'est on va déjà marcher jusque là, bon, on va voir. Ouais. Parce que là, monter, Seb, ça coûte chaud. Hein. Lève ta main. Ta main, lève ta main, ouais. Non, mais ta main, Seb. Ta main blessée. 1, 2, 3, c'est bon, c'est bon. Allez, on y va. C'est bon, Romain? Ah, moi, c'est bon, hein. Allez. Mon carré de fortune. Alors, elle tient pas la veste? Ah, si, elle tient. Ouais, maintenant on a 3 km à faire comme ça. Il est où, putain, le bordel? Oh, voilà, ça tient. Petit brancard à fortune. Alors, allez, c'est bon maintenant, t'as assez. On a pris assez pour un coup. Voilà. Aïe, aïe, j'ai mal. Voilà. C'est bon, je suis guéri. Là, bon, jugé, vendu. Je valide. Pousse en l'air. Bon, j'ai pas le choix. Et bon, faut que. Voilà, t'as un petit brancard de fortune, là, suffit de. Là, regarde, tu passes tes manches comme ça. Non, bah, moi, ils auront vu comment faire un brancard. Ah oui. Tout ça pour un pouce. On m'amène pas. Non. Voilà. Là, tu passes les manches à l'intérieur de ta veste. Tu vois. Ils sont dedans. C'est lourd. Ça peut pas bouger. Hein? C'est lourd. Non. Encore. Après mon tongue, c'est peut-être pas le mieux, mais. Attention, moi ça me prend. Oh putain. J'ai failli tomber tout à l'heure. C'est un bon cas. Imagine aussi. Mais tu vois, regarde, t'as deux bouts de bois en situation d'urgence. T'as deux vestes. On va peut-être les prendre quand même, les bouts de bois. Pourquoi tu fais ça? Ah, en FTT, le monsieur derrière. Voilà, c'était un petit cours de chute des bois. En fait, c'est du bière parce que c'est les racines. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà, petite récolte de lierre terrestre. J'ai hâte d'agrémenter un peu nos plats. Ça sent bon. Ça sent super bon.
J'aurais bien voulu trouver un peu d'allier aussi. Sinon, on peut mettre aussi un peu de pissenlit. Toi, dans ton saumon, ça va le faire. Ouais. Tu haches menu finement et puis ronde ma poule. Et ici, pareil, vous avez les galeries Lafayette. Stack, 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 tac, tac, tac. Ça pique quand même. Hein? Même si tu prends pas en dessous, ça pique quand même. Non, hein. Regarde, tiens, tiens-moi ça. Je prends comme ça. Et tu le prends comme ça, l'ortie. Ah ouais? Ici en dessous, là. Comme ça. Recueil. Il n'y a qu'au-dessus qu'il y a les poils. Okay. Après, bah, tu l'écrases. Puis tu peux le gober comme ça. Et pareil, hein, après, tu le haches finement. Et puis. Bon, tu peux faire plein de trucs avec les orties. Les soupes. Souvent, c'est les soupes. Oh, qui fait lourd. On part là. On vient de pas où. Il faut prendre la paille en dessous. Hein. Ouais. Tiens. Bah attends, je t'ai fait un petit nid, je l'ai mis où. Oh non, il est où. Il est en haut. T'as un gros amadou, quoi. On va dire. Tiens, prends ça déjà. C'est de remettre une braise dedans, quoi. Dans ta paille. Ça se consomme en fait, mais ça peut être très bon. Ouais, faut en mettre très peu. Peut-être le poser à terre et tout fait dessus. Parce que là, tu manges. Et on te regarde. Et on a la lune en même temps. Je déconne. On reste concentré. Bon. Allez, on compte sur toi pour bouffer ce soir, bordel. Tout ce qu'on t'a enseigné là. Hein? Non, pas, tu reprends une brade avec du tapagne. Hein. Si tu n'y arrives pas, je te refais un stage à 200 euros. Hein. Oh, je te ferai une petite réduc. Et tu es presque. Je pensais, je t'ai dit, si t'en as marre de souffler. Tu vas et viens. Fais des va et viens comme ça. Oh, ça chauffe bien. Ah ouais, regarde, tiens. Mais là, celle-là. Fais ça, voilà, et puis fais ça comme ça. Invoque les esprits. Invoque le marabout. Il est où le crâne? Non, c'est bien chaud pourtant. Ouais, fais ça, fais des grands gestes comme ça, accéléré. Ouais, tu vois. Heureusement que j'ai pris du pâté. Hein. Regarde, je ferai ça. Ah bah là, c'est chaud. Ouais. Là, c'est bon, le fourneau. T'inquiète, on a fermé tout à bout. Faut que je sors la vaseline. Ouais. Gentiment parti. Je valide. C'est validé. C'est validé. Je vais voir si une main bandée t'apprend feu. Allez, teste la momie. Alors voilà un petit pic de chez Amazon. C'est pas mal, petit gadget qui vient au bout d'un bout de bois.
pour mettre sa viande, saucisse. Sa viande, saucisse, voilà. Non, c'est sympa. Du marshmallow aussi. Du marshmallow aussi. Sympa. Voilà. C'était pour petit placement de produit. Voilà. Amazon, ça coûte combien? 3 euros. 3 euros. 3 euros. T'en as qu'un? Non, les deux. Les deux? Oh, ça va. 1,50€ l'unité. Ça va. C'est raisonnable. J'ai encore compté, t'as vu? Puis... Même avec un pouce en moins, j'arrive pas à compter. Tintintin. Bonsoir. Oh ma mère, vous me verrez pas. Ah, pouce blanc, voilà. pouce blanc. Petit morceau de barbac à l'ancienne. Là par contre, ça sent top chef. Hein. Made in Bleda. Et ici monsieur saumon. Je suis un peu sur moi. Il y a le vodka, Ali. Saumon, pâte au saumon. Saumon pâte. Petit morceau de barbac avec du pain et. Et du pâté. Et du pâté. Et j'aime le veau. Et j'aime le veau. J'aime le veau. Voilà. J'aime le veau. Et le marabout, il n'est pas passé. Hein. Non, pas c'est, content, pas son heure. Ah mais moi, à un moment donné, il m'a dit l'heure, il m'a dit qu'il passe. Alors, faut que je le paye. Ah ouais. La ouais, carte bleue. Ah ouais, carte bleue, moi j'ai tout. Hein. Et là. Regarde. Non, c'est même pas un moustique. Si. Non. Dégage. Dégage ou je te tue. Ça, ça sent fort ton. Ah ouais, c'est plus l'air terrestre. Je vais foutre ça dans mon. Dans mon pain. Une petite bestiole attirée par la lumière. C'est goûté. Passer une bonne nuit dans l'ensemble. Les petits loups font encore du dos. Ils rallument le feu, préparent mon café. Et aller faire un petit tour. Voilà, Seb nous a fait un petit gâteau ce matin. Façon bushcraft. Oui, c'est déjà. De chez Amazon. Non, bah, tout le monde est levé, par la mise qui dort encore. Mmh, c'est couché avant nous, c'est là-bas après nous.
Je rouge-gorge, j'ai parti dormir. Hein. Mon salaud. Quoi, va faire bon aujourd'hui. Oh putain, par contre, c'est plein de fumée. Non, c'était des couilles. Là, faut qu'il prenne l'eau. Il y a du soleil. Ah ouais, bah sinon là. Ah ouais, bah non, lui, il va se faire en vert. Bien là camarade. Alors quoi, t'as un nouveau cuisine de l'Alsace. On emmène le fauteuil avec nous. On est bon là. Là on est bon. Oh, elle est belle. Il a chassé une truite. Putain, une truite. Vite, vite. Onga, onga. Merde. Voilà, c'était un petit moment de délire. Bon, ça se taille la cuillère. Hein ? Ça se tripote la cuillère. Avec un pouce en moins. Alors là, petite cuillère avec petite feuille de chêne au bout du manche. Là, Linda est partie aussi. Et Romain ! Je suis blessé. Il a veut sa cuillère. Il a pas lâché l'affaire, on m'a. Ça m'a coûté un pouce d'avoir mes couilles. Attends, il est jusqu'à fond, quoi. Ça qui fait le pouce. Voilà.
voilà, sur le chemin, petite trace de sanglier. Franchement, je suis un peu étonné ici. Un bébé, hein, à mon avis, parce que une trace sont importante. Ça sent pas de la vie, là. Oh oui. Le ciel est beau, les oiseaux chantent. Romain perd un pouce, tout va bien. Là j'aurai une petite canne là. Tu mets des arrêts. Est-ce que il serait frais. Il serait frais celui-là. Ah, ça mange bien, fait plaisir. Et on va par là. Un petit retour. Bon Linda se prépare comme d'habitude. Un bon petit repas. Les petits oignons là, ça sent super bon. Un peu de patates. Par contre les patates, je crois que ça va faire un peu beaucoup. Oui. Les patates, ça va faire beaucoup. Ouais, je vais en manger. Et Seb qui est toujours... qui peaufine la fourchette à ligne 2. Enfin, à la base c'était une cuillère, mais on finit en fourchette. Trop creusé dans le creux et passer à travers. Enfin, au travers. C'était mon œuvre. Oui, c'était ton œuvre, oui. Et oui. Voilà. C'est ce que je dis, oui, t'es passé à travers. Ah. Moi j'ai fini. Et lui a fini, on va. Vas-y, moi, plus qu'à peaufiner. Dans l'ensemble, pour une première. On m'a fait les bords, nous, c'est tout. Ouais, j'ai juste moi travaillé un peu les bords et puis couper à la scie parce que la scie il pouvait pas, mais okay. Sinon tout le reste, quasiment à une main et demie, on va dire qu'il a fait. Ça. Je pourrais faire, mais. T'as plus qu'à peaufiner, t'as du papier à poncer chez toi, non? Ouais. Au taf. Voilà, et puis bah. Ce matin, on a été chercher un petit coup à boire, quoi. De l'eau. Puis de l'eau, oui, bien sûr. Petite binouze qui passe toujours bien avec cette chaleur. Bah, moi, je grignote un peu à droite à gauche, saucisson, patate, coulommier. Ah, t'aurais dit, Seb, la fois j'ai fait une cuillère, j'ai fait comme ça à la tête pour écraser. J'ai fini par faire ça, tu vois, comment j'appelle ça là. Un mortier. Ouais, le manche. Je suis pas faire un mortier, tu vois. Ah c'est vrai que toi tu voulais faire un mortier, bah ouais. Ce matin on a vu du bobo pour toi. Faut aller voir après. Alors, oignon, thon, crème fraîche. Herbe de Provence. Et ensuite, ouais voilà, les épices. Et ensuite les pommes de terre qui vont venir s'ajouter. Un peu de pétales blanches. On va se régaler, merci Linda. On va goûter bordel avec la cuisine. Je connais pas les gars. Ça me fait engueuler moi ce soir. La petite sauce. Voilà. Impeccable. C'est beau. C'est bon, on a l'endroit. Oh oui. À la cuillère, ouais. Tu peux. Bon. Ça se forme. C'est pour qui ça? Ça prend de la gueule. Tiens. Voilà, ça remballe. Prêt à quitter le camp. Non, t'inquiète, tu vas la rendre bientôt ton sac, dans une semaine. Puis bateau mon pouce aussi, je le verrai. Voilà. Sinon, bon bivouac dans l'ensemble. Hein. Bon bivouac. Bien profité. Un pouce en moins, c'était nickel. On a fait pas mal de choses. On a bien rigolé. Ouais. On aura une bête de vidéo. Ouais, je pense, ouais. Elle va durer celle-ci. Et on repart sous le soleil. Ouais. On aime tes œufs. Tu les as pondus. Ouais. Tu les couves. C'était le père. Ah, bon. Olé. Pas trop partout. Mais... Voilà de trop. Non. C'est bon hein. Il est pas trop mon sac. Non, ça va. Allez, c'est parti. Merci. On est de rien, mon grand. Voilà. Partir. Moi j'ai pas envie de partir les gars, vous me laissez là. Au revoir. Je me récupère vendredi. Prends la bière. Vendredi. Bon allez, let's go.